Alors cette année, ce sont plus ou moins 400 animaux qui ont été pris en charge par notre refuge. Cela va des chiens aux chats et à quelques animaux de ferme ou NAC. Donc en tout, il y a eu 220 chiens, 178 chats et une dizaine de tortues, furets, etc. On a eu deux boucs également. Donc ces animaux-là, évidemment, ce sont les abandons, les animaux errants et il y a également des saisies. Alors les différents acteurs du bien-être animal ici pour notre zone, c'est la cellule bien-être animal en première place. Donc là, nous parlons d'agents constatateurs au service de la commune. La SPA, bien sûr, donc que ça soit moi ou un des autres salariés. Puis il y a également la zone de police de Moucron et plus particulièrement la zone de proximité. Mais les deux font des interventions bien-être animal. La cellule bien-être animal de Moucron a réalisé cette année, en partenariat avec la police ou la SPA ou la police et la SPA, plus de 63 interventions. Parmi ces interventions, il y a eu une dizaine d'animaux qui sont arrivés chez nous. La police, elle, que ce soit la police classique ou la police de proximité, a réalisé 35 interventions. Donc si vous calculez bien, on est à minimum une intervention par semaine, ce qui est quand même assez énorme, bien sûr. De tous ces animaux, on a eu plusieurs animaux saisis, dont des chiens et des chats. Et ici, tout dernièrement, des animaux de ferme qui ont été dispatchés sur d'autres refuges de la zone qui ont l'agrément pour ces animaux-là. En conclusion, on peut dire que tout cela, c'est grâce à vous qui nous soutenez, qui nous suivez, qui faites des dénonciations, qui venez apporter de la nourriture. Il y a des gens pour lesquels c'est trop difficile de venir ici et de rencontrer les animaux qui ont parfois vécu de grosses histoires, mais qui préfèrent nous soutenir en faisant un don financier, pour lesquels ils précisent du coup pour quel animal est destiné leur petit don. Il n'y a pas de petit don, qu'on se comprenne bien. Donc tout ça, voilà, on voulait quand même dire que cette année 2021 était fructueuse au niveau des prises en charge, qu'au niveau du bien-être animal, il y a vraiment un rouage qui s'est mis en route ici sur notre commune. Le partenariat ville-police se passe super bien. Et ça, il faut que vous sachiez que c'est que malgré que vous ne le sachiez pas toujours, vous êtes vous aussi acteur de ce qui a été fait au niveau bien-être animal cette année. Bah, merci.